اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Il y a un des points, c'est un programme pour apprendre la régionale. Quand tu peux dire tellement de choses, je ne sais pas quoi faire. D'accord. Pour apprendre la religion, je vais vous dire une ou deux choses. Il n'y a pas en fait comme ça un livre ou bien deux ou trois livres standards. Standard pour tout le monde. Tout le monde doit connaître, comprendre que la faune. Commencer par Osul Salasa et commencer par ceci, par cela. Non. Regarde, mets dans ta tête que tu dois, Inch'Allah Ta'ala, apprendre le maximum de Coran. Ah, tu n'as pas l'arabe. Tu n'as pas l'arabe, je croyais que tu avais l'arabe. Mets dans ta tête que l'une des choses principales, c'est l'arabe. Car l'arabe, c'est la clé de l'islam, de toutes les sciences de l'islam. Donc, en même temps que tu apprends l'arabe, quand tu apprends sur un ami ou bien à la mosquée, à la mosquée, c'est sûr que tu trouveras toujours quelqu'un qui veut t'apprendre. Fi sabilillah. Parallèlement, inshallah ta'ala, par exemple, tu apprends un peu de Coran. Naam. Quand tu peux. Je fais un programme, par exemple. Aujourd'hui, je sens que je suis mashallah, donc j'apprends. Naam. Aujourd'hui, j'ai la paresse, je peux pas. Mais demain. Mais il y a un programme que j'essaie de suivre, inshallah ta'ala. Et comme ça, naam, des livres de Aqida. Tu lis ce livre, tu le termines, tu lis un autre, même si c'est pas en arabe, même si c'est en français. Naam. Livre de Aqida, tu écoutes comme ça des cours. El Mohim, à chaque fois que tu lis quelque chose, à chaque fois que tu lis quelque chose de nouveau, tu vas voir que la science va augmenter chez toi, bi'idhnillahi ta'ala. Et la foi va aussi augmenter. L'essentiel, c'est pas de croiser les bras. Croiser les bras et de dire, naam, c'est pas obligé d'apprendre, El Mohim, c'est prier les saintes prières. C'est pas obligé que je sois un savant et comme ça. Non. La science, c'est obligé. Et ça, c'est pour ton bien. Pour le bien de tout musulman. Pour que sa foi ne régresse pas. Pour qu'il avance dans la foi. Pour que son cœur soit raffermi. Et comme ça. Masha'Allah. Donc, Inch'Allah Ta'ala, il n'y a pas comme ça un programme spécial. Mais à chaque fois que tu sens yani, dans ton cœur qu'il y a cette envie, etc., profite, Inch'Allah Ta'ala, de lire un livre. Un livre de Al-Sunna ou Al-Jama'a. Naam. Quand tu lis quelque chose, essaie de terminer le livre. C'est pas de lire comme ça un passage et de s'arrêter. Non, je prends un livre, inchallah, jusqu'à ce que je le termine. Et je note des choses. Inchallah ta'ala. Wallahu azza wa jal, a'lam, puisse Allah subhanahu wa ta'ala t'aider. Tfadl.